Je donne la parole à Sophie Panonacle. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'accord conclu donc, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni met fin à de longs mois d'incertitude pour les acteurs du transport maritime et je tiens d'ailleurs à saluer leur grande adaptabilité et la forte résilience dont ils ont fait preuve. Cet accord consacre un chapitre entier aux services internationaux de transport maritime et d'autres aspects susceptibles d'impacter les services du transport. Si nos armateurs en sont globalement satisfaits, plusieurs points de vigilance tout de même demeurent. Vous en avez un peu parlé. Il est regrettable, par exemple, que le cabotage ne soit pas couvert par cet accord. C'est un aspect pourtant vital pour les opérateurs transmanche et les navires de service opérant dans les eaux britanniques. Et d'autre part, la mise en œuvre d'un système de suivi de l'évolution et de la fluidité des trafics permettrait de mieux appréhender les conséquences déjà lourdes du Brexit sur le transport maritime. Donc, Monsieur le Ministre, tout simplement à la suite de cet accord, pouvez-vous nous éclairer sur les prochaines étapes et les propositions identifiées par le gouvernement pour faire face aux conséquences du Brexit sur le transport maritime? Et bien évidemment, nous serons très attentifs demain aux annonces faites par le Premier ministre au Havre dans le cadre du CIMER. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.